juste pour Arvios, pour le quintet de dimanche. Oui, oui. Bah, qui vaut mieux que ce qu'il a montré l'autre jour. Bah, l'autre jour, la piste lui a pas tellement plu. C'est ce que m'a dit Olivier Pellier, que ça brochait vraiment jusqu'à mi-canon, qu'il avait pris beaucoup de projections. Ouais. Et que c'était très compliqué de revenir de derrière. D'accord. Donc voilà. Une course à oublier. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que bah, je pense que quand même le cheval, il a quand même été puni assez sévèrement pour son quintet à Nantes, hein, comme l'avait dit Carlos Lafont-Parias quand il l'a mis à réclamer. Ils l'ont interviewé, on dit pourquoi ce cheval-là, il se retrouvait à réclamer. Il a dit que pour lui, à ce point-là, le cheval, il était complètement barré et qu'il n'avait pas le temps, lui, de le rebaisser de poids. Donc c'est pour ça qu'il courait à réclamer. Donc moi, je pense que quand même, le poids qu'il a, là, ils l'ont baissé d'un kilo la dernière fois. Oui. Mais bon, je pense que quand même, la surcharge qu'il a entre 34 et... Bon, il était en 38, maintenant il est en 37, mais je pense que c'est encore un peu limite. Encore un peu haut, Je pense qu'il est pas très bien placé par rapport à certains autres chevaux. Le seul truc qu'il a, c'est que pour moi, il est vraiment en bel état de forme. Ouais. Il est vraiment bien, donc ce qui est sûr, c'est qu'on va pas tirer dessus hein, dans un gros quintet comme ça. Si jamais il y a des défaillances et que lui, il est en forme et qu'il peut faire l'arrivée, il fera l'arrivée. Ouais. Mais voilà, je pense que la piste aussi, ça lui conviendra mieux que l'autre jour à Deauville. Ouais. C'est qu'elle devient lourde l'été. Ouais, voilà.